Il doit avoir un bon mélange entre la peinture et l'eau. Sauf qu'il ne faut pas qu'il soit trop épais ou trop liquide. La première est faire la verticale. Donc la première, c'est la verticale. La seconde est l'horizontale. Deuxième horizontale. La tercera es la diagonal. La troisième es la diagonal. La cuarta es la tipo C. La quatrième es la un peu de type la courbe, ¿no? Sí, curva, curva. En forme de croix. Sí, sí. También curva, pero como la esa, ¿no? Donc la cinquième, c'est aussi en courbe, mais un peu comme l'S. Con estas cinco formas van a salir todo el abecedario. Avec ces cinq façons, vous pouvez faire tout l'abécédaire. Y bueno, no necesariamente es como la escritura que tiene que salirte ni tan derecho. Es como cuando uno escribe, cada uno tiene una caligrafía muy personal. Après, chacun a sa propre écriture. Donc c'est pas nécessaire que ce soit droit. Après chacun, ça va se modifier par rapport à votre écriture. Vous avez bien compris? Et ahora vamos a comenzar a hacer los ejercicios. Hacen como una hora de ejercicios. Donc maintenant, on va faire des exercices pour vous pratiquer un petit peu. Sin voltear. Jalas horizontal. Mira, ya me han puesto pintura. No se nota mucho la diferencia. Ayer nos quedamos hasta las 4, pero que había todo el grupo estaba. Sí, pero haríamos ejercicios rápidos. Juste l'étiquette alors. Ouais, lavage à 30, 40 quoi, et pas de repassage. Si vous voulez essayer, pas de soucis. Donc ça c'est t-shirt.